Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la perruque que j'ai achetée pour faire Stella des Wings. Alors c'est parti! Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir j'ai mis la perruque sur ma tête. Je tiens à vous préciser qu'elle n'est ni coiffée, ni stylisée, ni rien, elle était mise brute sur ma tête. Vous pouvez le voir aussi, je ne suis pas maquillée, mes sourcils sont encore bruns qui est ma couleur naturelle. Donc, nous comment là-dessus, ok, c'est juste pour présenter la perruque. Donc, quelques petits points. Donc, la perruque est très longue. Vous pourrez voir, je fais un plan long sur moi. Voilà. Moi, je trouve que la couleur est bien. Je vous mettrai ici, donc, la tenue de Stella que je vais réaliser avec cette perruque. Je l'ai achetée sur AliExpress. Encore sur AliExpress, toujours AliExpress. Non, des fois j'achète sur eBay. Là c'était AliExpress parce qu'il y avait une promo pour le. Je sais plus ce que c'était. Et depuis, elle est fournie. Donc voilà. Elle est bien fournie, elle est longue, elle est belle. Je l'ai reçue super vite. J'ai dû mettre un peu. Enfin, elle a dû mettre 2 semaines à arriver alors que ma tenue de Tomoyo a mis 2 mois. Alors que je l'ai achetée le même jour. Hein. Enfin, faut pas chercher. Enfin voilà. Donc si vous voulez, je mettrai un avant après l'avoir stylisé. Je ne vais pas du tout la styliser maintenant, je vais vraiment le faire au dernier moment. Donc voilà, c'est une tenue que je compte porter à la Japan Touch Haru au mois d'avril à Lyon. Pour ceux qui éventuellement feraient cette convention, concours cosplay avec mon amie Julie V Cosplay qui sera elle en blue. Donc voilà, si vous voulez, je mettrai le lien en description du vendeur de cette perruque. Et voilà, c'est parti pour le plan. Pas le plan. Au revoir tout le monde.